Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. Si vous êtes nouveau, c'est que vous n'êtes pas abonné. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Mais cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ma sœur en particulier, nous allons découvrir des choses assez compliquées. Je pense que à ce niveau de la compétition, nous devons savoir la vérité sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sur ce qu'on nous présente à la question et ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on nous présente comme style ou bien comme manière de vivre, même à la télévision, qui est vraiment bon pour nous, mes frères et sœurs. Ce que nous allons découvrir ici va sans doute vous étonner. Nous allons voir des images où nous allons voir des femmes qui sont habillées de façon étrange, de façon sexy comme on le touche, on le dit chez nous. Mais d'où viennent ces choses, mes frères et sœurs? C'est la question que vous devez vous poser. Mais d'où viennent ces choses? Quel esprit se trouve derrière cette manière de s'habiller? C'est quel démon qui trouve sa gloire dans cette manière de s'habiller aujourd'hui? Parce que ce que nous allons vous présenter ici, mes frères et sœurs, vous serez même plus étonné qu'étonné de voir toutes ces choses. Sans plus tarder, nous allons voir les premières images, mes frères et sœurs, sur les points. C'est parti. Let's go. Bienvenue, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Que vous voyez le camp, regardez ça. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Moi, t'es chaud, regardez. Waouh! La femme, elle est belle, elle est même plus belle que belle. Ça veut dire que Dieu l'a bien créée. Mais le problème ici, c'est que elle est bien plus sexy que sexy. Exposant ainsi le regard des autres à la convoiter sexuellement. Ce qui se passe dans notre esprit, c'est ce que nous allons te dire. Et c'est ça même le but même de cette histoire de sexy, vêtements sexy par-ci. Regardez ça. Est-ce que vous ne voyez pas, est-ce que vous ne voyez toujours pas quelque chose de ne pas comptable ici? Ça, c'est contre nos valeurs. Nos mamans avant, elles ne s'habillaient pas comme ça. Elles s'habillaient de façon très simple et on les respectait sérieusement. Et à cause de cette histoire, on ne peut plus respecter les femmes. Et c'est le diable qui fait ça. Il est essayé de faire passer les femmes pour des personnes qui sont comme des objets sexuels. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ma soeur, si c'est comme ça que tu veux, tu aimerais qu'on te voit. Si tu veux plus qu'on te voit de la sorte, on te regarde de la sorte, toi-même, il faut créer des conditions qui vont t'aider, qui vont amener les gens à te respecter. Regarde comme tu es habillé. Si tu t'habilles comme ça, fais attention, ma soeur. Fais attention, nous ne sommes pas en train de te condamner pour dire non, tu es comme ça. Nous sommes en train de dire que la manière dont tu t'habilles, le style vestimentaire, c'est important, ma soeur. Il faut vraiment changer beaucoup de choses dans ta manière de t'habiller. Il faut changer cela. Il faut désormais t'habiller décemment. Parce que la manière dont nous sommes tous en train de présenter à la télévision, est-ce que tu t'habilles de façon sexy? Quand toi-même tu regardes, tu sais qu'il y a un problème. Même pour t'habiller de façon sexy et sortir, tu te caches. Tu mets même ton vêtement sexy là dans ton sac. Ou encore si tu es indépendant de chez toi, tu vas te dire oh, tu es capable de tout, tu es grand, tu es une bonne fille. Mais entre nous, nous sommes toujours enfants. Même si tu as 100 ans, tu es un enfant. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Et Dieu, c'est ton père. Ton père aimerait que tu t'habilles de façon décente. Dis-moi, est-ce que la manière dont vous voyez ce vêtement sur son corps, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait entrer même à l'église, dans cette église? Ça serait difficile. En tout cas, ça serait difficile. Ma soeur, si tu regardes cette vidéo, nous ne sommes pas contre toi. Nous sommes juste en train de te dire que ce vêtement-là, si tu ne le portes plus, tu fais bien. Parce que ce n'est pas bon. Et il faut t'habiller décemment. Regardez ça. Waouh! Voici une autre chose encore qui rend les femmes sexy. Ce sont les pantalons. Et comme vous voyez, ça les rend vraiment sexy, ça les plaque. Et sur le côté, vous pouvez voir que, on peut voir que elle aussi, elle a fait de ses fantaisies.
qui permet qu'on voit carrément ses cuisses. Est-ce que vous voyez? Voilà. Franchement, nous allons vous dire que toutes ces choses ne sont pas la gloire de Dieu. Toi-même qui es un humain, ce que tu vois, ça même, tu t'étonnes de ce qu'une personne peut s'habiller de façon tellement sexy que même ses seins sont carrément exposés. Et au fil de la manière qu'elle a tenu ses bras, on peut dire sans le savoir, sans même de se tromper, que c'est pour mettre en valeur la partie la plus forte qu'elle a, c'est-à-dire ses seins. Cette attitude-là que les femmes ont aujourd'hui, c'est une mauvaise attitude qui les prépare même à aller en enfer. Nous allons vous dire la vérité, c'est mauvais. Ce sont les démons qui ont toute la gloire de ces histoires. Si on ne t'a pas dit, tu as même dit qu'on ne t'a pas dit. Aujourd'hui, tu as la vérité face à toi, Dieu te parle, ma soeur. Dieu lui-même est en train de vous parler aujourd'hui. Regardez encore ça. Ouh. Quel est le problème à ce niveau? Le problème est que cette femme, elle est très belle. Elle est tellement belle, elle expose maintenant ses cuisses. Et tout le monde dit que c'est sexy. Tout le monde dit que, oh, c'est joli. Est-ce que c'est pas joli? Effectivement, c'est joli. Moi, en fait, je regarde ça, je dis, oh, c'est joli. Mais le problème ici, c'est que tes cuisses qui sont là dehors, là, exposées comme ça, là, ça là, vraiment, je pense que c'était censé être caché. Impossible, on ne devait pas voir facilement cela comme ça. On ne doit pas voir facilement ça. Ça doit être de précieux pour toi. Ton corps doit être précieux même à tes yeux. À peu près de raison aux yeux de Dieu. Tu dois vraiment bien t'habiller. Tu dois t'habiller de sorte que nous ne puissions pas regarder au fait que on te verra seulement dans le lit. Mais on doit te voir dans une autre dimension. Rien qu'en te voyant, on doit te voir dans une autre dimension. C'est la dimension où on va dire que celle-là peut être ma femme. Elle peut supporter mes enfants. Mais si tu t'habilles d'une façon bizarre là, nous on va se poser des questions mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment on va faire? Et ce sera vraiment difficile pour les gens de se stabiliser. Et regardez encore ici. Si vous avez cette robe, c'est bien. Mais cette robe là aussi a le même effet que cette robe qui est ici. C'est la même chose, ce sont les mêmes effets. Regardez encore ça. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qui est mis en valeur? Nous devons vous dire également que quand une femme s'habille de façon sexy, c'est qu'elle cherche à mettre en valeur une chose qui se trouve sur elle. En fait, c'est le corps. Elle veut mettre en valeur son corps. Mais c'est une partie de son corps qui lui semble la plus pertinente. Est-ce que vous voyez? Et ici, quand vous regardez cette femme, qu'est-ce qu'elle cherche à mettre en valeur par exemple? Elle le cherche à mettre en valeur principalement sa poitrine. Sa poitrine. Et toi, si tu t'approches d'elle, même si elle s'abaisse un peu comme ça, même si tu es un pasteur, tu vas dire, qu'est-ce que c'est ce son comme ça? Ça va quand même te traumatiser un peu. Oh, ce style vestimentaire que vous voyez, les gens s'habillent de façon sexy. Ça vit des sirènes et on nous dit même que des sirènes ont des usines, même ici. Et elles fabriquent des vêtements sexy. Tu voulais savoir, une sirène, c'est un démon qui a l'aspect d'une femme. Et cette femme, elle s'occupe beaucoup de toutes les femmes qui sont sur la terre. Elle vous donne de ses produits cosmétiques qui vont vous rendre plus belle que belle, même la ressembler. Et ça commence aussi par votre style vestimentaire. Est-ce qu'une femme nue peut sortir? Non, elle doit s'habiller, non? Oui, c'est pourquoi elle va vous préparer d'abord le style vestimentaire. Veillez à ce que vous soyez habillé d'une certaine manière. Ça veut dire que les femmes du monde aiment décidément s'habiller comme des sirènes. En fait, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Regardez encore ça. What? Quoi? Alors là, vous êtes maintenant, vous comprenez. Là, vous comprenez pourquoi nous sommes en train de vous parler aujourd'hui. Là, vous comprenez maintenant. Ma soeur, tu ne comprenais pas, tu étais fâché. Tu disais, mais comment c'est possible? Toi, tu es un copain. Toi, ma soeur, tu es un fiancé. Ou bien tu es ton mari. Tu marches, tu as vu des supermarchés. Et puis tu vois toi-même, une de tes camarades qui est habillée comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Si elle s'est abaissée devant son mari, son portable est tombé et qu'elle veut se courber pour le quoi? Non, mais tu vas dire, ma soeur, s'il te plaît. C'est pas comme ça on fait, faut bien t'habiller.
Une femme dans un supermarché, elle a fait ça. Une autre femme était habillée de façon plus sexy que sexy, mais ça c'est mieux. Là, ça, cette image c'est mieux. Au moins, c'est un peu caché. Mais cette femme était habillée de façon tellement sexy. Et son copain aussi, lui aussi, il a regardé comme ça. Il regardait la fille là comme ça. Ah! Ce jour-là, a compris que si elle doit aller dans un endroit pour acheter des vêtements, elle ne doit pas aller avec son mari. Sinon, quand son mari va arriver là-bas, d'autres femmes risquent de le séduire. Parce qu'elles sont toutes habillées de façon sexy. Ah! Regardez vous-même. Et c'est la mode. Cette manière de vivre amène les gens à vous convoiter sérieusement et c'est sexuellement. Dès qu'ils voient ça, dès que toi-même tu regardes cette vidéo, tu es un homme. Dès que tu vois ça, tu t'imagines les choses en même temps. Comment elle sera sur le lit, comment je vais la positionner sur le lit pour faire les choses comme ça, pour faire comme ça, comme ça. Tu es en train de pécher. Et le diable est en train de favoriser cela pour que toi tu sois toujours en train de pécher. Nous sommes en train de te dire que c'est un danger. Ma soeur, et si tu peux, si tu favorises cela, si à cause de toi les gens sont en train de pécher, même en pensée, toi aussi tu es en train de pécher parce que tu seras la responsable de cette histoire. Si nous sommes en train de te dire, il faut sortir de là, il faut vraiment te réveiller et comprendre que sur la terre, il n'y a pas que nous. Il y a aussi des démons qui travaillent. Et ces démons-là, ils ne rigolent pas avec ces choses-là. Ils créent ces choses afin de te piéger. Si tu es tombé dans ce piège, tu vas mourir. Ah, dans un autre monde, tu vas voir tout ce qui doit te filmer comme ça. Et ils vont te montrer cette partie, cette vidéo que tu as regardée, où tu voyais un homme qui te disait, t'as pas de le tout, c'est une histoire. Mais frère, ça, c'est tellement alarmant, tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais il faut vraiment que nous vous montrions toutes ces choses. Si ça vous a vraiment touché, les gars, ça vous a vraiment touché, ça vous a fait mal, quel sujet. Si ça vous a pas fait mal, mais ça vous a quand même touché. Vous êtes impressionné, vous savez que c'est la vérité. Pour que ce j'aime. Si vous avez envie de changer, que ça reste dans votre cœur, dites Seigneur de Jésus, s'il te plaît, change-moi. Et débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. S'il faut même aller refaire ce vêtement-là, que ce vêtement-là devienne potable, je pense qu'il faut le faire, sinon vous vous en débarrassez totalement. Et ne plus vous laisser séduire. Pas tous ces choses de ce monde, parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il est préférable de gagner Dieu au lieu de gagner le monde et d'aller en enfer plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo que Dieu vous a fait ça. Abonnez-vous et cliquez sur l'inscription, vous allez à l'inscription 2, l'inscription 3. Ce sont deux autres chaînes qui nous appartiennent. Abonnez-vous également sur nos autres chaînes et préparez-vous parce que ça va être chaud pour Dieu vous a fait ça. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La scribe.